Test de son numéro 1, 2, 3. Et bonjour à tous, ici Woody Monéance pour une petite vidéo. Alors je lance le chrono, voilà, histoire que je fasse une vidéo d'environ 40 minutes. Vous avez tout courant du temps que ça va faire, parce que c'est marqué sur YouTube. Mais moi faut que je me fixe des limites parce que sinon ça va devenir le bordel. Ok, donc on se retrouve sur un jeu qui s'appelle Les Sims 4 que vous connaissez de tous et qui m'intéresse énormément. J'ai fait jouer un peu en solo pour voir ce que ça donnait. Et c'est pas aussi mal que ce que je pensais. Donc là le personnage de base est roux. C'est pas intéressant. Mais bon. On va modifier ça. Alors c'est parti. Les muscles. Donc. Voilà. Donc je commence par la tête, c'est plus simple. Visage. Il faut du blanc. Je suis blanc de peau moi. Je vais faire un ressemblant à ma manière, hein. Vous allez voir. Coiffure, on va d'abord essayer d'enlever le chapeau. Tac. La coiffure. Alors, ma coiffure à moi. Ça. De cette couleur. Ouais, là ça passe. Comment est-ce qu'on touche aux yeux? Je sais même pas. La barbe actuellement. Ouais, non, je suis plus en style là. Ouais, c'est plus en style là que je suis. Tiens, bah, je viens de recevoir un message d'une amie qui vient de me dire si tu le dis, je lui ai dit que les Sims 4 c'était bien. Bref, petite vidéo pour toi, ma meilleure amie. Ayla, on va dire pour pas dire son vrai prénom, sinon elle grognerait. Mais voilà. Ah, on peut aussi changer le visage en fonction des. Intéressant. Tu sauras que je fais une vidéo et que je te parle de toi. Ok, je sais pas comment faire pour rendre ça les yeux dans l'ensemble. J'ai des yeux endormis. Ouais, on va prendre ça. Au niveau des joues. On peut carrément modifier. Ah ouais, intéressant. Non, on va. Merde, c'est grave. Ah voilà, ça fait mieux ici. C'est que je suis pas très carré au niveau de la. Voilà. On va arrondir un peu plus. Ok. Au niveau de la tête, bon. Ouais, les yeux sont mauvais. Si on prend les yeux de base, des Sims. Voilà. Ça fera mieux. Ok, au niveau des vêtements. Alors, qu'est-ce que je porte de base? Ça, j'en ai un comme ça, mais en bleu. On va voir si le bleu correspond. Ouais, non. Je peux pas de chemise par-dessus. Ça, il y a quoi comme couleur? Là, c'est pareil, c'est que du carreau. Tu as fait un sim, c'est pour tester, je sais pas quoi ce que je veux. Mais je trouve plus. C'est dommage. Ah si, c'était ça. C'est ça que j'avais bien aimé. Je sais plus ce que j'avais changé la version ou pas, non, mais... non. Ok. Là ici, jean sans hésitation. De toute façon, je ne porte que du jean. Ou du pyjama comme actuellement. Je viens de me lever, il est 1h30 de l'après-midi. What? Oui, mais putain, l'inspiration. Pourquoi est-ce qu'il me tient comme ça d'un coup? Ok, ça c'est bon. La montre. Celle-ci. En noir. Même si on va pas la voir, mais c'est pas grave. En habillé. Il y avait un look prédéfini, je crois qu'il était pas trop mal. Celui-là. Non, on va garder en noir. Ça sonne bas. En sport. Personne ne peut pas que je vais faire de sport, mais c'est pas grave. Non. Y'a que ça. Ouais, on va mettre ça. Pour le haut. Il
Y'a quoi comme motif? What? C'est quoi les tatouages? J'ai même pas fait gaffe. C'est quoi mettre ça? Où est-ce qu'on vire les tatouages? Ah, c'est là les tatouages. Coup virer ça. Coup virer ça. Je sais pas si mec que ça. Ok. Non, j'aime pas les tatouages. Ok, ça c'est bon. Arme un plouc, mais c'est nickel. Alors le pyjama. Sans citer, on vire ça. Nickel. Je fais aussi un peu. Peut-être les muscles. Ah voilà. J'attends juste le moment où on voit pas les os totalement. Les chaussons. Ouais, j'ai des bleus de toute façon. Ouais, c'est ça. Faites, dans ce cas-là, on passera à quoi? Dégueulasse comme style. En haut pour la fête. C'est plus chemise dans le nom que je mets en fait. Ça. Tout, tout, tout. Ouais, dégueu. Ah, y a pas grand chose. Hein. Ah, d'ailleurs, je vais dire quelque chose que je vais installer au fur et à mesure. Au fur et à mesure des épisodes, je vais rajouter des mods juste parce que j'en aurai envie. Tester ça. Ah, ça c'est pas trop mal. Donc au fur et à mesure d'épisode, s'il y a des choses qui se rajoutent, on sera sûrement en anglais, ça va être le problème. Vu que je sais pas s'il y a beaucoup de mode français. Ou si la traduction en français. Faudrait essayer de voir. Je sais pas en quoi c'est codé, sinon je pourrais essayer de toucher au mode. Pour essayer de changer les langues, vu que je m'y connais un petit peu en codage. Mais voir comment ça va se passer. Voilà, nickel. La montre. Merde, putain. Ah, il y a le chrono qui s'enlève carrément. Non, il compte quand même. Ok. Ça marque minuterie. Je vois la minuterie là actuellement, c'est pour ça. Ah, ok, très bien. Bon, je viens d'apprendre un truc sur mon portable, mais c'est pas grave. Je vais poser le portable ici. Ok, donc le personnage est quasiment fini. On passe à l'aspiration. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Tout rien à faire. Non, ça m'intéresse pas. Foutre l'amour, c'est ce que j'arrive le mieux. Hamster romantique, c'est Hamster, voilà. Ce que j'ai de plus simple. Oup. Très geek. Type de vie ambitieux, non. Adorablement, fou, bouton, non. Matérialisme, paresseux, je suis. Déteste machin, méchant, bienveillant. Prends jeu famille, c'est relou ça, comme j'ai vu comme style. Ouais, discuter la paix dans le monde, très bien. On va être pareil, pour bien me correspondre. Enfin, pas le génie, bof bof. Mais j'avais envie de mettre. Ok. Bonjour, je m'appelle. Mettre mon vrai prénom. Blood. Nom de famille. Marche. J'ai mis un espace, je crois, ici. On va le virer. Blood marche. Ok. Ça me va. Se garder et jouer. J'aurais déjà fait un perso et tout, vous verrez. Justement, si je me foire pas. Ouais, c'est ça. Donc on va aller à Oasis Spring. Cabane de pierre, on va aller habiter où? On va aller habiter à la demeure des crèves. Meublé, forestant, j'aurai plus de fric, ok, très bien. Cabane de pierre, ça sera un peu mieux. Ok, donc on a acheté une maison, les gens. Bon, après, on va se construire des maisons, hein, vous inquiétez pas, mais qu'on aura du fric. Ce qui est compliqué d'en avoir. On va essayer de trouver un boulot rapidement déjà, histoire de pouvoir fixer ça correctement. Ok, donc les murs, on va les raser. Je préfère vivre comme ça. Ok, elle ressemble à quoi? Alors, je sais pas ce que c'est que ce truc. La table est jolie, la cuisine est pas trop mal. Bon, la télé est dégueu, mais c'est pas grave. Celui dans l'ensemble, j'aime bien. C'est simple, mais sympa. Attendez, on va remettre les murs. Non, donc l'étage, dans ce cas-là. Ok, il se fait une petite terrasse, là. On pourrait peut-être installer quelque chose d'intéressant. Pourquoi pas.
Wait. Pause. J'ai vu des jeux vidéo ici, c'est qui ça? Tadadadadadada. Présentation amicale. Ok, c'est une petite fille. On va se présenter à la petite fille. Et une grand-mère, on s'en fiche. Allez. Blood et Clémence ne se connaissent pas encore. Ok, qui s'appelle Clémence. Donc à long terme, ça peut être intéressant. Je sais que dans un mode, je vais rajouter la drague entre les jeunes, entre les adolescents et tout. Pour que ce soit intéressant. Non, mais le mec, il va bouffer devant. Oui, très bien. Ah. Voilà, donc là, il va parler avec, on s'en fout. Il fait sa vie. On va voir un peu ce qui se passe aux alentours. Je vais me balader, hein. C'est vrai que c'est avantageux dans les Sims de pouvoir voir juste en loin, pour parler aux gens qui arrivent de loin. J'ai remarqué en fait ce Sims par rapport aux autres Sims, c'est plus aussi comme avant où le but c'est de construire et tout et d'être content. Là c'est vraiment le fait de pouvoir faire des connaissances avec des gens. De pouvoir parler, toutes les interactions en fait sont intéressantes. Je trouve que c'est pas trop mal. Je peux faire une sieste sur le banc d'à côté, ok très bien. Allez, j'ai hacké les compétences charisme, ok. Il des besoins, énergie, ok. Passer en play. C'est quoi qu'il a acheté? Un bouquin? Ok, on s'en fout. Parti dormir? Bon. La vie tranquille, pépère. Le but ce serait de rencontrer une jolie demoiselle. Histoire de la draguer. Ok. On va déjà commencer à faire les choses correctement. Avant d'aller bosser, on va essayer déjà de trouver une meuf ou autre, on verra bien. Ouais, je m'en fiche. Ok, ton play. Donc il va aller pisser. Et ensuite, il va se faire de la bouffe. Cuisiner. Non, on va faire le prendre le petit déj, c'est plus simple. Prendre le petit déjeuner, œuf brouillé. Et après, on va essayer de trouver une demoiselle à qui parler. On va s'installer comme ça. Pause. Nancy, plus nos os. Plein nos os. Ok, très bien. Ouais, mais non. C'est qui lui? On s'en fout. Elle, c'est qui? Justine Masson. On s'en fout. Ok. De l'autre côté, il y a personne. Ok, il y a rien. Très bien. On va retourner sur Play. On aurait pu parler à plein osas, mais le flemme. Et je pense que c'est le genre de personne déjà mariée. Ok. Enfin, je m'achète un PC après. Je sais pas où est-ce que je vais installer pour avoir toute la place sur la table, donc ça va être relou. Je vais mettre une table de PC. Ok, la compétence cuisine. GG. Alors, je suis allergique au lait, donc on va éviter de faire des plats au lait. Vous allez voir très vite fait que j'en évite. D'habitude que je prends même dans le jeu des Sims 4, donc c'est bizarre, mais bon, c'est comme ça. Donc, ça sent bien faire une sieste à gueule, faire quelque chose de romantique. J'espère que tu fasses quelque chose de romantique. Play, pause. C'est qui elle? Elisa Pancakes. Ah merde. Je sais déjà d'avance elle qu'elle est mariée. À Bob Pancakes. Vu que je l'ai fait dans. En solo. Va lui parler, va lui parler, c'est pas grave. Réveiller une brillante invention. Partager des idées brillantes. Discuter son ton intérêt. Demander comment s'est passée la journée. Raconter une blague sur les singes. Tout ça se met à propos de la nouvelle série. Amour, complimenter l'apparence, on va voir si ça marche. C'est pas sûr, hein. Avec une femme de la mariée. Là, si je me foire pas, on voit pas ici. Si, conjoint Bob Pancake. Amour, demander si la personne est célibataire.
Cavani. Éliminer la légende de quelqu'un, on s'en fout. Attends, c'est la variée, c'est plus grave. Attendez. Elle ressemble à quoi elle? Ouais, non. Non. Ok, il commence à y avoir du monde dehors là. Toujours personne intéressant. Non, ok, personne intéressant. Bah play. Pourquoi il est mal à l'aise lui? Plus de choix, amour. Technique de drague, vas-y YOLO. Sachant qu'ils ont quel but dehors hein. Et ton quotidien. Sauf que ça passe mieux. Elisa est embarrassée. Ouais, donc c'est pas intéressant. Il va aller. Bon, tu vas aller voir la télé. Faire du zapping, tu vas tout seul. Ok, l'assiette qui est dehors. Ok, il va regarder un peu la télé pour s'amuser. Après, on ira. On ira dehors. Comment est-ce qu'on fait pour le faire bouger autre part? Est-ce qu'on peut. Pause. Mais arrête avec ton mal à l'aise, pourquoi? Ah, la nourriture. Se déplacer, invité, non? Comment est-ce qu'on va en ville? Réfléchis. D'un coup, j'étais allé avec des gens. C'est un mec, ok, très bien. Bon, au pire, on va se déplacer au fur et à mesure. Aller à la résidence, voilà. On y va et on va visiter un peu les choses au fur et à mesure. C'est de voir qui c'est qui habite où. Ah si, se déplacer, voilà. Ok, je voyais pas l'option, c'est pour ça, désolé my bad. Ok. Plenosas, donc c'est là qu'il habite. Et il doit y avoir, ouais. Il doit être marié. Oduma. Ok, il doit être marié là-dedans aussi. Caliente. Intéressant. Ah, mais par contre... Ok, je viens de piger un truc. Ouais, c'est ça, en gros. Il doit y avoir des qualités qu'à un seul endroit, c'est pour ça. Parce que, bon, tant pis, je vais le montrer. Il y a une fille qui était intéressante. Voilà. Elle. Vous voyez, il y a mon perso, le même, c'est pas grave, on va le voir. Qu'un bébé en plus. Et justement, c'est autre part. C'est dans une autre maison. Pancakes, ouais, c'est là. Vous voyez mon nom de famille, c'est pas très grave, c'est attention mon prénom et tout, ils peuvent tout mélanger. On s'en fout, les gothiques qui sont là. So, ouais, bof. Bon, vous savez quoi? On va faire... Sauvegarder. On va rajouter une personne dans la famille. Ça va être plus simple. Comment est-ce qu'on peut faire? Non. Annulé. On va faire gérer les mondes. Sauvegarder et gérer les mondes. On va directement rajouter une femme qui nous plaît. Voilà, on va en créer une. Je m'entends draguer une, mais il n'y en a aucune qui m'intéresse en fait en dehors. Donc tant pis. On va créer une fille sexy et puis basta. Ok. Plenosas, c'est où j'habite. C'est là. Alors, déplacer, faire déménager le foyer, expulser le foyer, changer tout le terrain, gérer le foyer. Ajouter des sims, ça va être là-dedans. Ok, plus. Ajouter un sims, jouer avec sa génétique. Non, mais non. Ajouter un sims. Ok.
Une chinoise. Yes, no, ouais, pourquoi pas. Je pensais à une blonde, mais une chinoise est pas si mal que ça. Ok. Voilà, une voix agréable. Bon, on va être coloc pour le moment. Le but sera de draguer quand même. Ok. Au niveau des cheveux. Bien comme ça. Différents trucs possibles. Celui-là est pire, hein. Je vais regarder comme ça. Peut-être ça va être un peu plus long. Chapeau. Ouais, mais non. Surtout que ça va modifier les cheveux, donc voilà. Les boucles d'oreilles, on s'en fout. Si, les boucles d'oreilles. Pour commencer par ça. Non, c'est moche. Ouais, non, trop long. Pas grave. Ok, lunettes. Qui dit fameux lunettes dit. Je vous laisse écrire la suite dans les commentaires. Sans aucun souci. D'ailleurs, l'heure de la vidéo, merde. Il reste combien de temps de vidéo? Parce que je suis en train de passer à créer quelque chose. Il me reste. Ah, si, il me reste 18 minutes, ça va. Ok, c'est bon. Une classe comme ça. J'aime bien. On va faire un style. Qui conviendra. Alors, au niveau des hauts. L'aile. Waouh! Comme ça, c'est bien, vous croyez pas? Ça fait style geek, c'est pas trop mal. Non, mais je l'avoue pas en soutif, putain, les gens. Il y a des soutifs de base, quoi. J'ai envie de garder ça. Attendez, on va voir s'il n'y a pas les autres symboles qu'il y a dessus. Ok, ok. Est-ce que celui-ci pourrait être bien? Ah, il est pas trop mal aussi. Non, j'aime bien celui-là. Les autres sont tous simples, donc non. On va prendre ça. Alors en bas... pourquoi pas non plus. Ensemble, c'est dommage. J'ai pas vu un bleu clair, si. Celui-là, je vais y mettre. J'ai pas trop. Regardez, c'est Nawak. Putain. Comme si on allait se la faire balader en string, quoi. Je sais pas, ça fait trop quotidien, justement. Pas voir sur autre chose. Ah, enfin, voilà quoi, c'est les tenues une meuf là dedans. Non, pas de débardeur. Bon. What? Ok. Orange. Pas trop mec non plus. C'est le corps, ok. C'est le corps qu'il faut cliquer pour modifier le corps correctement. Les tatouages. Il n'y en a pas. Ok, c'est là que ça m'intéresse. Ok. Comment est-ce qu'on fait pour. Merde. Comment on fait pour modifier la taille des seins? But what? What? On peut pas. Ou alors j'ai pas pigé comment. Putain mais ça m'énerve en fait. Je trouve ça trop basique mais je trouve rien de mieux en fait. Non, au niveau des chaussures. Ouais vas-y go yolo comme ça. Ok. En habillé.
wait, what? Le prédéfini. C'est classe. Ouais, mais non. Ça, c'est déjà mieux quand même. Ok, sport. J'aime bien le haut, mais j'aime pas le bas. C'est parti de celui rose. On va rester là-dessus. Le bleu est pas trop mal. Ok, sommeil. C'est où c'est le sommeil? La chemise de nuit en noir, ça fait toujours beaucoup plus classe. C'est quoi ces fêtes ça? Fêtes, ouais, c'est pas trop mal. Lol. Ah, j'aime bien ça. Parce que les chaussures, je vais remarquer ça. Du noir, ça ne fera pas trop. Voilà, ok. Donc, aspiration. Déviance, what? Sim Signeur réalise des interactions méchantes plus puissantes et plus efficaces. Très bonus, ignoble. Ah, j'avoue que j'ai pas fait gaffe, très bonus, très bonus, séduisante. Ah, ok. Famille, connaissances, créativité. C'est une meilleure amélioration de leurs compétences parce qu'ils sont inspirés. Popularité sport. J'ai envie de faire déviance, vas-y. Reine des petits sims de vie pour faire des blagues sur le chaos. Cette team veut se faire des ennemis et devient un criminel célèbre. Vas-y, go. Essaye de partir là-dessus. Partir sur du créatif dans ce cas-là. Matrice d'art, roman de rap, perfectionniste. Sous button folle. Non, si. Snap, ça m'intéresse pas, c'est trop chaud à gérer. Snap, soigner, ça m'intéresse pas non plus. Alors, détester. Non. Membre d'un groupe de potes, solitaire, réticente. S'engager. Non. Méchante. Non, malveillante. Ouais, mais non, on va pas éviter de méchante. On va éviter qu'elle soit trop. Va dire sur quelque chose, on sort. Non. Je vais vite. Sur Deb, si on sent vraiment confiance en eux. On va être un génie. On va être amatrice d'art. Amatrice d'art, je pense, vol de tableau. Il n'y a pas grand chose en fait au niveau des trucs, je trouve intéressant. Ok. Donc, elle, on va l'appeler. Et quoi, mon prénom de chinoise? Bah, tiens. Référence No Game No Life, si je me foire pas, la petite Sarah s'appelle Chiron. Ok, bah ça me va comme ça. Bon voilà, vous avez mes deux foyers. On va jouer à marche ici. Oh non, ça me va comme ça. Ok, donc ils sont là. Vas-y, go. Play. Ok, genre, donc on va retourner. Au moins, là, on est sûr de pouvoir draguer une fille jusqu'à ce qu'on veut. On pourra tout gérer de A à Z. Parti pour tout créer. Sachant que mon personnage a un jumeau de l'autre côté de la ville. Ok, play. Ok, la demoiselle. Parler d'art. Ah, ils ont déjà des relations de base? Connaissance. Dag. Écoutez une blague, c'est ingénieur. Draw boys, darps. Pondo. Dwee. Farobi, physique. Pondo. Se mettre en colère, partager ses idées. Plus de choix, amour. Une technique de drague direct. Un mec qui se fait draguer, c'est ce qui est le plus simple. Parce que j'ai l'un ou l'autre, c'est pareil. Embarrassé, what? Rencontre embarrassante. Ah merde, t'es trop.
trop tôt pour draguer. Bon, ça va aller. Juste de leur faire parler, voilà. Ils vont parler ensemble. Y a pas de problème, on les fera draguer un peu plus tard. On va attendre que le statut embarrassé finisse. Ah oui, c'est vrai qu'ils vont dormir ensemble. What? Se cacher. Une disbis sérieuse. Éménage avec quelqu'un, vas-y. Parlez ensemble, vous êtes tous les deux à côté sur le même lit. Please. Boona, Wibbis. Si, elle fait mignonne comme ça de côté, le visage. Oh, Yibs. Bon, après, comme on dit, chacun ses goûts. La conversation agréable, il parle, il se contente. Shiro est heureuse. Appelez quelqu'un au téléphone. Danser sur la chaîne Shiro, on s'en fout. Qui la porte en charisme, ok. Donc dans ce cas-là, on va repasser en play. Donc le niveau de ça, il est bien, il est bien. Ils sont bien au niveau de leur activité. Lequel des deux je vais faire travailler? J'hésite à faire travailler les deux ou pas. Sachant que après ça peut devenir chiant au niveau des erreurs de boulot et tout. De toute façon, il faut de l'argent pour se faire travailler les deux. Voilà. Oh, les bouquins, il va y en avoir partout encore. Mais ils vont y arriver à se parler? Voilà. Non, toujours pas. Ça y est. Patharja. Mablaf. Sistum. Benar Papelka. Picasso. Pimenter l'apparence, on va commencer par ça. Tibdin of Flip. Taniniwa. Tibdib. Flix. Yabano Darza. Gachoy. Draguer. Sarde ya Libjigo. Là, ça va passer un peu mieux au niveau de la drague, non? Darza. Ça, s'il y a de l'amour, en fait, il y a une barre rose qui va apparaître. Plus de choix, amour. Demandez si la personne est célibataire. Acheter un échiquier. Why not? Wabarani Bayumi. Sibu on a mop. Jou d'après Chiro était célibataire, on le sait, mais c'est normal. Faut poser la question quand même. Saya. Le rencard, je décide, j'y arrive pas, c'est dur, c'est chaud, c'est compliqué. Faut que j'aille trop de choses. Ah bah voilà, un peu d'amour. Plus de choix, amour. Envoyer un baiser, vas-y. Et ça plaît ça. À un moment on dit que je suis vieux jeu, mais bon. Voilà quoi. Se tenir par la main. Vas-y. Bah, ça va marcher. Hein. Style primaire, vieux gosse. Voilà. Très bien, GG. Alors. Ah, premier baiser. Voilà, c'est ça qui nous intéresse. Yeah, toute contente et tout et tout. Prenez un peu sexy. Je passe de l'autre côté. On va un peu plus changer de vue, vous voyez. Plus de choix, amour. Embrasser les mains. Ça, c'est sexe. Ok, avec quoi? La faim, bah vas-y, va manger, y'a pas de problème. T'es ici chez toi après tout. Moi, bon, attends, je vais dans le mode construction. Alors, voilà, par contre, j'arrive jamais à me retrouver dans ce bordel monstrueux. Je sais, mais vire-moi toutes les aides. Je sais, vire les aides. Non, mais ta gueule. Contente. What, c'est quoi tous ces trucs? Je m'en fous. L'inventaire du foyer, mais y'a rien. Je cherche une table. On plantera. Ah, peut-être là-dedans. Salle à manger, ok. Quoi dans les tables? Non. Ok.
qu'il y ait une porte ici, donc ça va faire chier. Où est-ce qu'on va installer... Où est-ce qu'on va installer le PC? Comment on fait tourner? Ok. Comme ça. Bon, la table est moche en fait. Une petite table justement dans ce style là. Bon, on va reprendre celle là tac, il semble martien. Non, bon, la même que dans la cuisine, c'est pas grave. Tac, on met des tabourets. Non, c'est des chaises plutôt qu'on va mettre. Pas un truc de geek. Construire des pièces de ta gueule. Pas des sièges de PC plutôt. Si ça. Et merde, faut que j'installe comme ça plutôt le PC. Vas-y, yo, comme ça. Et après. Et donc les objets trier par fonction afficher tout confort pour ouvrir surface pareil électronique ordinateur prendre le PC tout puissant bien sûr nickel et pas de lumière éclairage je d'éclairage au mur dans ce style là lumière laser voilà comme ça. Tac. On va retourner sur le mode de vie. Voilà, c'est déjà mieux. Comme ça, ils pourront jouer un peu de temps en temps sur le PC. C'est plus important le PC. Hein. Bon, j'ai plus de fric, c'est pas grave. Il va où lui? Nettoyer. Ah ouais. Bonne idée. S'asseoir. Oui, mais ils ont quand même l'assiette. Putain, c'est con. Merde. S'asseoir. Va discuter ensemble. Voilà. Vous êtes bien là. Vas-y, Yolo. Demandez d'être son petit ami. Est-ce qu'il va dire oui, ce con? Normalement, je dis oui, moi, sans hésiter. Yo, this global. Fouizak? Vimpa. Bien sûr, oui, sans hésiter, voilà. Ah, Aphrif. Oh, Edoroy. Embrasser quelqu'un. Je te choisis, amour. Embrasser les mains, voyez un baiser, demander en mariage. Je vais demander en mariage. Je viens apprécier que sur l'autre truc, c'est genre demander en mariage. En 5 minutes, c'était marié et à poil. Dans la chambre, mariage à poil. Très bien. Elle est contente. Lui, est-ce qu'il a quelque chose à dire? Planifier un hangar. Offrir une rose. Faire crac crac, bien sûr, sans hésiter. Voilà, on sait pas d'où il sort la rose de, d'un mètre de long. Bien sûr, le sexe, ça entretient l'amour, vous savez tous. Au niveau du timer, je regardais le temps qui reste, les gens. Bah, il nous reste une minute, voilà. Donc c'est sur le fait d'être devenu des petits amis et de commencer à faire crac crac dans le lit, comme vous pouvez le voir. Donc, on va quitter la vidéo. Et bah je reprends tout de suite pour l'épisode 2, j'avais dit que j'allais rajouter des modes, mais ce sera pas tout de suite, j'en rajouterai au fur et à mesure quand je penserai qu'il faudra en rajouter. Il y en a que je vais rajouter mais pour plus tard, créer une ambiance romantique, Jérôme, bah, faut craquer pour qu'on s'en fout. Voilà, donc allez, bye bye les gens.